ஆமே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் Nous allons prendre le livre Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. பெந்தெகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தறிந்த வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். அங்கே இன்றைக்கு துவக்கத்தில் இருக்கு பெந்தெகோஸ்தே நாள் கதை வந்து கொண்டிருக்குது. பெந்தெகோஸ்தே நாள்னா இது அர்த்தம் என்ன? Depuis le début aujourd'hui de ce culte, vous avez entendu parler du jour de la Pentecôte. Quelle est la signification de ce terme? ஏன் வேதத்தில் அந்த பேர் வந்தது? Pourquoi est-ce que ce terme apparaît dans la Bible? Rasuli. Est-ce que quelqu'un saurait répondre? பழைய பாட்டு காலத்தில் இதுக்கு விடை இருக்கு. Et la réponse se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible. யூதர்களுக்கு பல விதமான பண்டிகை இருந்தது. Les Juifs avaient différentes fêtes. Et il y a une fête qui se prénommait la fête de la Pentecôte. Et cette fête se faisait donc le 50e jour. Et pourquoi maintenant dans le Nouveau Testament, ce jour de Pentecôte est également le 50e jour? Quel est le rapport? Il y avait sept fêtes principales et différentes dans l'Ancien Testament que célébraient les Juifs. Et quelle est donc la signification du jour de la Pentecôte que nous parlons ici dans le Nouveau Testament? இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்து எழுந்து 50வது நாள் பரிசுத்தாவியாக வந்தார். 40 நாள் பூமியில் இருந்தார். Après la résurrection donc de Jésus-Christ, le 50e jour est appelé le jour de Pentecôte puisque pendant 40 jours Jésus était sur terre. Le 40e jour que nous appelons l'ascension, donc il est parti aux cieux. Vous savez que c'était un jour férié donc la semaine dernière, le jour de l'ascension. Et depuis le jour de l'ascension, nous sommes aujourd'hui au 10e jour qui correspond au jour de la Pentecôte. Et donc on voit pourquoi aujourd'hui est-ce que nous fêtons cette fête dans notre église, sachant que l'église primitive est également l'église de Pentecôte, ou pentecôtiste. La première église donc qui est apparue même avant les églises catholiques, c'est l'église pentecôtiste. Pourquoi est-ce que cette église s'appelle ainsi l'église pentecôtiste? Si vous avez observé donc la première prière qui a été faite aujourd'hui, il y a la réponse dedans. Après qu'ils reçurent le Saint-Esprit, donc Paul a fait donc la prêche, et donc ils reçurent cet esprit, et donc cette première église s'appelle l'église pentecôtiste. Voici donc le nom et donc la signification de pourquoi est-ce qu'on appelle ce dimanche le dimanche de Pentecôte. Et pour quelle est la signification de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, qui est indiqué dans Actes 2, chapitre 1, verset 1. Quels sont les bienfaits suite à l'onction? Voici le titre de mon serment aujourd'hui. Un roi, chapitre 19, versets 15
à 18. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Gamaz. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பார்த்து, நீ தமஸ்குவின் வழியாய் வனாந்தரத்திற்கு திரும்பி போய் ஆசகேலை சீரியாவின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி, பின்பு நிம்சியின் குமாரனாகிய ஏகுவை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி, ஆபேல் மேகோலா ஊரானான சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை உன் ஸ்நானத்திலே தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணு. சம்பவிப்பதாவது, ஆசகேலின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவனை ஏகு கொன்று போடுவான், ஏகுவின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவனை எலிசா கொன்று போடுவான். ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதிருக்கிற முழங்கால்களையும் அவனை முந்தச் செய்யாதிருக்கிற வாய்களை உடைய 7000 பேரை இஸ்ரவேலிலே மீதியாக வைத்திருக்கிறேன் என்றார். அங்கே 16 வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற பாருங்கள். ஒரு பரிதாபமான சம்பவம் பேரில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அழைக்கப்பட்டு உண்மையிலேயே என்ன அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் ஒன்று முக்கியமா விசுவாசிக்கிறோம். Donc nous allons observer particulièrement le verset 16. Donc quelle est la vie d'une personne qui a été oint par le Seigneur? Ces paroles sont adressées donc à Élie. Et quand vous regardez bien dans ce chapitre, plus précédemment, on voit qu'on appelle Élie le Tchibite. அந்த பேருக்கு அர்த்தமா அவன் கடன் பட்டு கடனை கொடுக்க முடியாமல் பழைய பாட்டை கொடுத்து கடன் கொடுக்க மாட்டேன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கடன் கொடுத்தல் கொண்டு அப்படி ஒரு அர்த்தம். C'est quelqu'un donc qui n'avait pas d'argent, de somme à rendre à autrui. ஆனால் 18 அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இச்சவேலிலே தேவனே கர்த்தரே தேவனே நிரூபித்தவன் இந்த எலியா. Et dans le chapitre 18 de ce même livre, on peut voir que c'est Élie qui a dit que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui en a témoigné. Il n'a pas dit d'une façon simple par des paroles, mais au contraire, le feu de Dieu est tombé ici sur terre et ainsi il a prononcé ses paroles. On voit une situation désolante dans le verset 16 que nous venons de lire. பின்பு நிமிசியின் குமாரனாகிய யோகபை இச்சவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி ஆபேல் மேகோலா ஊரானான சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை Et oint à la place de Élie. Pourquoi est-ce qu'on enlève l'onction de la vie de Élie et pourquoi Élisée reçoit cette nouvelle onction? Parce que Élie a fait énormément de miracles par la puissance de Dieu. Mais dans l'onction, il a perdu sa vocation que Dieu avait pour lui. Prophètes de Baal ont été tués par Élie. Mais dans ce chapitre 19, on peut voir que tout ce qu'a dit et a fait Élie ont été cités à Jézabel qui est la femme d'Achab. Au temps d'Élie, celui qui régnait donc c'était le roi Achab et la femme de ce Achab était donc Jézabel. Et donc Jézabel avait envoyé un messager qui puisse dire à Élie, ce que tu as fait à mes prophètes, donc aux prophètes de Baal, il sera fait ainsi pour toi. இந்த அளவு காரியங்களை செய்த எலியா
Donc, on voit que Élie, comment est-ce qu'il a réagi à ce moment-là? Il a posé une question à Dieu suite aux paroles qui ont été prononcées par Jézabel à son égard. Et donc, ce qu'il a dit à Dieu, c'est: ça suffit cette peine pour moi, Seigneur, prends-moi. Parce qu'il disait, il n'y a personne d'autre, il n'y a aucun autre homme par rapport à moi ici sur terre qui puisse agir. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur des paroles qui ont été prononcées par Jézabel. Ça rapporte à notre vie, à chacun. Peut-être que dans des moments, nous avons fait de grands exploits par la puissance de Dieu, nous avons été zélés, nous avons été remplis par son esprit, et dans d'autres choses, nous sommes découragés, nous avons peur. Dieu reste quand même un Dieu de miséricorde, parce qu'après avoir loin Élisée, il a pris Élie avec lui, et nous avons donc cela dans la Bible. Par contre, Élie n'a pas terminé la vocation et tout ce que Dieu avait mis dans sa vie. Ce qu'il n'a pas terminé, c'est le prophète Élisée qui a continué. Et c'est pourquoi dans le verset 18, l'Éternel s'adresse à Élie en disant: je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Dans ce jour de Pentecôte, nous sommes en train de voir concernant le thème de l'onction de Dieu. Hier, dans notre jour de jeûne, nous avons vu également que nous devons faire attention à notre vocation. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, on peut voir beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu, comment est-ce que l'onction les a quittés parce qu'ils se sont détournés de la vocation qu'avait le Seigneur pour eux. Premièrement, le roi Saul donc a été écarté parce que c'est un homme qui a été oint comme roi. Samuel verrapindrinda bolude oru baaramagavarai irundivittu ange Samuel verrapindrinonde parisalatha velikitta. Mais lorsqu'on voit que l'arrivée de Samuel a tardé, on voit que Saul s'est rapidement a fait les sacrifices sans attendre Samuel. Et on voit que l'esprit de Dieu quitta Saul, dit la parole. On voit également Uzia, en fait un homme de Dieu, il a touché le tabernacle qui fut porté à ce moment-là, l'arche de Dieu qui fut portée, et à ce moment-là, Dieu le toucha, il mourut sur place. Pourquoi est-ce qu'il a été puni et qu'il est mort sur place? Parce que c'était les sacrificateurs qui seulement qui avaient le droit de toucher l'arche de Dieu, mais il a touché parce que justement l'arche allait tomber. Samson est un homme de Dieu qui a été connu et prédestiné déjà depuis le ventre de sa mère. Il a laissé la place à la convoitise dans la chair, et on voit ensuite que l'onction l'a quitté et il fut tombé dans le mal, dans le péché. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir plusieurs hommes de Dieu qui ont perdu cette onction. Et quand on voit en étudier les personnages du Nouveau Testament, on voit que dans la Bible on parle d'un certain Cana Alexandre. Et on voit également un disciple appelé Théma qui s'est écarté de la voie de Dieu au temps de Paul. Dans 1 Corinthiens 5, on voit également qu'un homme a dû quitter l'église. Ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu l'onction de Dieu se sont écartés, et alors l'onction les a quittés dans leur vie. Et il faut savoir que vous et moi, nous avons été appelés pour quelque chose de précis, nous avons été prédestinés, il y a une vocation de Dieu dans notre vie, il faut garder cette onction pour concourir le
chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et si nous avons besoin de cette onction dans notre vie, premièrement, nous avons besoin d'être purifiés. Le livre de Lévitique, chapitre 14, versets 14 à 18. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il la versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de la culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. அந்த குற்ற நிவாரண பலியின் இரத்தத்தில் ஆசாரியன் கொஞ்சம் எடுத்து சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் வலது காலின் மடலிலும் அவன் வலது கையின் பெருவிரலிலும் வலது காலின் பெருவிரலிலும் பூசக்கடவன். பின்பு ஆசாரியன் அந்த ஆளாக்கு எண்ணெயிலே கொஞ்சம் தன் இடது கையில் வார்த்து தன் இடது கையிலுள்ள எண்ணெயில் தன் வலது கையில் விரலை தோய்த்து தன் விரலினால் ஏழு தரம் அந்த எண்ணெயில் எடுத்து கர்த்தருடைய சன்னிதியில் தெளித்து தன் உள்ளங்கையில் இருக்கிற நீதியான எண்ணெயிலே கொஞ்சம் எடுத்து சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் வலது காலின் மடலிலும் அவன் வலது கையின் பெருவிரலிலும் வலது காலின் பெருவிரலிலும் முந்த பூசி இருக்கிற குற்ற நிவாரண பலியினுடைய இரத்தத்தின் மேல் பூசி தன் உள்ளங்கையில் இருக்கிற மீதியான எண்ணெயை சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் தலையிலே வார்த்து கர்த்தருடைய சன்னிதியில் அவனுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்ய கடவன். அங்கே இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம், அங்கே சுத்திகரிப்பு நடந்து பாவ நிவர்த்தி நிறைவேற்றப்படுகிற காரியம் சொல்லப்படுகிறது. Et ensuite la phase d'expiation. அதற்காக அந்த Exode 30, versets 23-24. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un huile d'olive. மேன்மையான சுகந்த வர்க்கங்களாகிய சுத்தமான வெள்ளைக்கோலத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சேக்கலின்படி 500 சேக்கல் இடையையும் சுகந்த கருவாப்பட்டையிலே அதில் பாதியாகிய 250 சேக்கல் இடையையும் சுகந்த வசம்பில் 250 சேக்கல் இடையையும் இலவங்கப்பட்டையில் 500 சேக்கல் இடையையும் ஒலிவ எண்ணெயில் ஒரு குடம் எண்ணெயையும் எடுத்து. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் செய்வதை அபிஷேகம் எண்ணெய் செய்வதற்கு 5 விதமான பொருட்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Il y a cinq éléments, cinq épices qui sont utilisés pour faire cette huile d'onction. On voit dans le Nouveau Testament que cette huile parfumée, cette huile d'aromate, a été mise en fait à déverser pour parfumer Jésus-Christ dans deux endroits dans le Nouveau Testament. Il y a même une discussion qui dit mais pourquoi est-ce qu'elle a versé cette huile qui a beaucoup de valeur, parce qu'elle nous aurait rapporté 100 cycles d'argent. அப்படிப்பட்ட ஒரு விலமதிப்பற்ற காரியத்தினாலே கொண்டு வரப்பட்டதான் தேவனுடைய இதயத்திலிருந்து அவசியம்.
Et donc cette huile est une huile de valeur, avec des produits donc, qui ont beaucoup de valeur. Voilà comment cette huile a été fabriquée. Et donc c'est cette huile qui a été utilisée pour faire l'onction sur quelqu'un. Pour faire donc, on utilise cette huile d'onction et il y a des sacrifices à faire dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on voit que pour que nous soyons purifiés, le sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour nous. Jésus donc est le sacrifice d'expiation qui nous a été offert afin que nous n'ayons pas d'autres sacrifices à faire. Et donc nous n'avons pas besoin de faire un sacrifice spécifique pour avoir cette onction aujourd'hui. Mais dans notre vie quotidienne, nous avons besoin d'être purifiés et c'est ce que dit la Bible vous concernant et me concernant. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. Versets 5 à 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme ou un autre et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. ஒருவன் நீதிமானாயிருந்து நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்து மலைகளின் மேல் சாப்பிடாமலும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு நேராக தன் கண்களை ஏறெடுக்காமலும் தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமலும் தூர ஸ்திரியோடே சேராமலும் ஒருவனையும் ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கினவனுக்கு அடைமானத்தை திரும்ப கொடுத்து தன் அப்பத்தை பசித்தவனுக்கு பங்கிட்டு வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் தரிப்பித்து வட்டிக்கு கொடாமலும் பொலிசை வாங்காமலும் அநியாயத்துக்கு தன் கையை விளக்கி மனிதருக்குள்ள வழக்கை உண்மையாய் தீர்த்து என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு உண்மையாய் இருப்பானாகில் அவனே நீதிமான், அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். Et les choses que nous venons de lire, ce sont des choses d'actualité que nous devons également faire aujourd'hui. On voit ici dans le verset 6 qu'il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles. Que veut dire ne mange pas sur les montagnes? C'est celui qui a de l'orgueil, qui mène une vie pleine de mépris. C'est certain que l'Éternel, le Seigneur, nous a bénis chacun d'une façon différente. Et parfois, cette bénédiction que nous avons reçue du Seigneur nous pousse à être orgueilleux d'avoir de la fierté. Et parfois, ce sont par ces choses que nous pensons que nous avons plus de valeur. Parce que nous voyons ces choses-là au quotidien dans les églises. Et ne lève pas les yeux vers les idoles. Et donc ce n'est pas forcément des idoles d'autres dieux, mais c'est une vie où nous sommes attachés au monde. Si vous regardez dans le livre de Romains chapitre 12, ceux qui consentent à vivre une vie au monde qui est proche du monde. Paul a écrit donc cet épître concernant l'Église. Donc c'est une vie qui est proche du monde, du mondain.
Il dit, le frère parle concernant une vie qu'il voit au quotidien à la chapelle lorsqu'il y va. Par exemple, il y a donc des femmes donc, qui sont habillées donc, comme des statues en fait, avec des saris, et on voit qu'ils portent un nom d'un film de cinéma ou d'un acteur. Donc d'après le verset, tout cela est conforme au siècle présent. Nous nous appuyons sur ces modes-là et que nous les amenons dans l'Église aujourd'hui en tant que chrétiens. Je ne dis pas que nous devons être mal vêtus ou être moins bien vêtus. Jésus nous a bénis de toutes sortes de choses, mais nous ne devons pas vivre conformément aux modes donc, qui sont dans le monde. Mais au contraire, lorsque les gens nous regardent, il faut qu'on puisse consentir et dire mais ce sont des chrétiens. Deux rois, chapitre 9. Deux rois, chapitre 9, versets 30 à 32. Jéhu entra dans Jisréel, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit : Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ? Il leva le visage vers la fenêtre et dit : Qui est pour moi ? Qui ? Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Jéhu Jisréelukku vandhan. அதை இசபேல் கேட்டபோது தன் கண்களுக்கு மையிட்டு தன் தலையை சிங்காரித்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாய் எட்டி பார்த்து ஏகு ஒளிமுக வாசலில் வந்தபோது அவள் தன் ஆண்டவனை கொன்ற சிம்ரிஷேமே அடைந்தானா என்றாள். அப்பொழுது அவன் தன் முகத்தை அந்த ஜன்னலுக்கு நேராக ஏறெடுத்து என் பட்சத்தில் இருக்கிறது யார் யார் என்று கேட்டதற்கு இரண்டு மூன்று பிரதானிகளை அவனை எட்டி பார்த்தார்கள். On voit dans le verset 30 la manière dans laquelle Jézabel donc s'était apprêtée. Et on voit que c'est une femme qui avait beaucoup d'orgueil. Si nous vivons conformément au siècle présent, nous avons une vie où nous avons beaucoup d'orgueil, il est certain que nous nous approchons vers le monde. Verset 33. Il la jetait et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les cheveux. அப்பொழுது அவன் அவளை கீழே தள்ளுங்கள் என்றான். அப்படியே அவளை கீழே தள்ளினதினால் அவளுடைய ரத்தம் சுவரிலும் குதிரைகளிலும் தெரித்தது. அவன் அவளை இழுத்து கொண்டு Qui a jeté donc Jézabel? Ce sont des personnes qui étaient avec Jéhu ou ce sont les autres personnes? Quel est le problème rencontré ici? Il n'y avait aucun souci. C'est l'onction qu'il y avait en Jéhu quand il a dit jeter là, on voit que ses eunuques l'ont jeté. Et on voit que l'orgueil qu'il y avait en cette femme, on voit que c'est ceux qui étaient de son parti qui l'ont jeté. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir de l'orgueil dans notre vie. Ne pas avoir d'orgueil avec ce que nous possédons, mais plutôt avoir de la fierté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous éprouvons du zèle, que nous ayons de la fierté concernant le nom de Jésus-Christ dans notre vie. D'après 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, je vous l'ai déjà dit. Personne ne connaît les profondeurs de Dieu sauf le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous explique concernant ces profondeurs à nous. Dans la lettre
l'évangile de Jean, on voit que le Saint-Esprit nous parle. À quel propos? Le Saint-Esprit qui habite en moi me parle concernant mes péchés, ce que je fais de faux, de mauvais. Si je vois à quel point est-ce que mes péchés, tout ce que je fais de mal, donc Dieu a horreur de tout cela. Je n'aurai pas de fierté sur toute autre chose qui est dans le monde. Parce que de cette souffrance, de ce mal, de ce péché, c'est le sang de Jésus-Christ qui m'en a libéré. Et il n'y a rien à l'égal du sang de Jésus-Christ qui puisse m'être donné dans ma vie. Alors il y a dans ce livre d'Ézéchiel, mais également dans Proverbe, il y a annoncé qu'il ne faut pas s'approcher de la femme d'autrui. Il y a des sens à ces versets-là. Donc c'est la femme donc qui n'obéit pas à ce qui est imposé comme discipline. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas donc de place prioritaire pour la femme parmi les Juifs. On voit que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose entre l'homme et la femme. Dans la relation entre époux et épouse, qu'est-ce qui se passe? La relation dans l'Église entre le chef de l'Église et donc les dirigeants qui sont en dessous. S'il n'y a pas d'obéissance ni d'humilité dans ces rapports-là, il est difficile pour que l'onction habite en nous. Lisez et méditez donc le chapitre 18 du livre d'Ézéchiel pour comprendre tout ce qu'il dit. Nous avons été des personnes prédestinées qui ont été séparées du monde et choisies par Dieu, et nous ne sommes pas donc prédestinés à vivre dans le monde pour le monde. Nous ne devons pas nous écarter des limites qui nous ont été imposées dans notre vie chrétienne. Le travail donc qui est donné donc pour l'homme ou le mari donc dans une famille, c'est lui qui doit l'accomplir. Le travail donc qui a été prédestiné pour la femme, c'est à elle de l'accomplir. Et donc le ministère qui a été donné pour le pasteur doit être fait par lui, parce que c'est lui principalement qui est le sacrificateur dans l'Église. Il y a donc des diacres qui lui ont été dédiés, donnés pour l'aider, mais ils ne doivent pas agir sans demander, donc sans ce que donne comme conseil le pasteur. Parce que s'ils agissent contre ce que dit le pasteur, il n'y aura pas d'édification ni pour l'Église, ni pour les actions, le ministère que nous faisons pour Dieu. Parce que s'il y a cette onction chez un enfant de Dieu, et qu'elle est véritable, alors on voit que l'obéissance en découle. Versets 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite.
ஆளனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான். அவன் சிவந்த வேலியும் அழகிய கண்களும் நல்ல ரூபம் உள்ளவனாயிருந்தான். அப்பொழுது கர்த்தர், இவன் தான், நீ எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்றார். அப்பொழுது சாமுவேல் தைலக்கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான். அந்நாள் முதற் கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின் மேல் வந்து இறங்கி இருந்தார். சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்கு போய்விட்டான். இப்பொழுது நாங்கள் அந்த யாத்திரை மாபத்தில வாசிச்ச அந்த அபிஷேகங்கள் தாவீதுக்கு மேல் அபிஷேகிச்சிருக்கு. Nous avons déjà regardé concernant l'onction dans le livre d'Exode et on voit qu'il s'agit de cette onction ici dans ce verset 13. Parfois certains ont eu une certaine onction lors de prières auparavant dans leur vie et on voit que ces personnes n'ont pas forcément les pieds posés sur terre. Et donc ceci est un danger. Après avoir été moi ici, David, qu'est-ce qu'il en fut de sa vie? Il est reparti paître donc le troupeau. Samuel 17:18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier, tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. இந்த 10 பால் கட்டிகளை 1000 பேருக்கு அதிபதியானவரிடத்தில் கொடுத்து உன் சகோதரர் சுகமாய் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவர்களிடத்தில் அடையாளம் வாங்கி கொண்டு வா என்றார். இந்த காரியத்தை சொன்னவர் யார்? Qui a dit ces paroles? தாவீதின் அப்பா. C'est le père de David. தாவீதை நம்பி சொன்னாரா நம்பாம சொன்னாரா? Est-ce qu'il a cru? அபிஷேகம் பெற்ற தாவீதை பெற்ற தாவீதை நம்பேன். Parce qu'on voit que le père de David qui a entendu qu'il a été moi ce jour-là n'a pas cru en lui. Donc, quel est le signe? Celui qui reçoit l'onction de la part de Dieu, il reste tranquille dans sa place. On voit que Isaïe n'en a pas pris vraiment compte le fait que c'est David qui a été choisi et qui a été loin, mais on voit que Dieu en a pris compte et a pris soin de lui. Versets 19 et 20. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. அப்பொழுது சவுலும் அவர்களும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ஏலா பள்ளத்தாக்கிலே பெலிஸ்தரோடு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். தாவீது அதிகாலையில் எழுந்து ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் விட்டு ஈசாய் தனக்கு கற்பித்தபடியே எடுத்துக்கொண்டு போய் ரதங்கள் இருக்கிற இடத்திலே வந்தான். சேனைகள் அணிவகுத்து நின்று யுத்தத்திற்கென்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். அப்ப இந்த இடத்திலே நாம பார்க்கிறோம், இப்ப தேவன் தாவீதினுடைய உயர்வை கொண்டு வாரதான் தேவன் கொண்டு வாரன். ஆனா தாவீதுக்கும் இது தெரியாது. Cette situation et donc ce passage est indiqué parce que Dieu prépare l'onction et donc dans la vie de David. Mais en concernant ce sujet, ni le père de David, ni David est au courant de ce qui va se passer. Parce que si vous regardez ici, c'est un champ de bataille. On voit que Goliath parle mal de Dieu et David entre donc dans ce champ de bataille. Et un homme qui a reçu l'onction de Dieu est toujours prêt avec plein de reconnaissance à remercier le Seigneur pour tous les bienfaits que Dieu lui a fait dans sa vie. Même chapitre, versets 35 à 37. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore,
L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன். அது என்மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன். அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உங்களுடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன். விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தரும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான். அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை எந்தித்தானே என்றான். பின்னும் தாவீது, என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தருடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான். அப்பொழுது சவுல் தாவீதை பார்த்து, போ, கர்த்தர் உன்னோடே கூட இருப்பாராக என்றான். இந்த இடத்திலே இந்த 37 வசனத்தில் ஒரு அதிர்ச்சியான வசனம் ஒன்று சொல்லுங்க. தாவீது ஆட்டுக்கு பின்னால திரிகிறவர் இச்சவேலை ராஜா சவுல். சவுல் என்ன சொல்றான்? அப்போ 40 நாளா பெலிஸ்தர் வந்து கத்தி கொண்டிருக்கிறாரு. ஒரு ஆள் இருப்போம், ராஜா ஏன் போறான், அங்கே இருப்பாங்க. On voit ici dans ce verset 37 comment agit David et quelle est la place de Saul qui, à ce moment-là, est le roi en fait d'Israël. Pour une apparence, Saul reste un roi, mais il a perdu tout ce qu'il a obtenu de la part de Dieu. David est un jeune homme, il est un berger, mais il a reçu l'onction de Dieu qu'il garde, et voici comment Dieu l'utilise ici. அதுக்கு முன்பாக தேவனிடத்தில் பெற்ற நன்மைக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறான். Et pour tous les bienfaits qu'il a reçus dans sa vie de la part de Dieu, on voit comment David est reconnaissant. Si nous avons et si nous souhaitons que la plénitude du Saint-Esprit soit dans notre vie, soit dans notre cœur, il faut et nous avons besoin d'être reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. இதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும். கோடிக்காந்த தாவீது கொள்ளுகிறான், தாவீது அதுக்கு பிறகு ஜனங்கள் பாடுகிறார்கள், அதுக்கு பிறகு தாவீதுடைய பறிக்கிற வரைக்கும் பலம் திறந்த அவருடைய வாழ்நாள் மாறிவிட்டது. Et on voit et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc David combattit Goliath, il en fut vainqueur et on voit tout ce qu'il fait dans sa vie par la suite. ஆனால் தாவீது எந்த இடத்திலும் அங்கே தேவனை முன்வைத்து அந்த அபிஷேகத்தை காத்து கொண்டான். On voit qu'à tout moment, en tout instant, David a mis le Seigneur en première place et il a gardé l'onction qui lui a été déversée. அதே வேளையில் அங்கே அபிஷேகம் பெற்ற தாவீதை அங்கே ஒரு கட்டத்திலே அவன் மகன் அப்சலோம் 2 Samuel 16 இருக்குது. Dans 2 Samuel 16, il est indiqué ce qu'il advient à son fils Absalom, le fils donc de David. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois, il arrive des choses dans notre vie de famille et nous nous égarons peut-être de la voix de Dieu et nous agissons en fait dans notre chair. அங்கே அப்சலோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும் பொழுது அகித்தோப்பேல் இருந்தான். அப்சலோம் donc on voit ce qui s'est passé, il y a eu donc un certain déroulé d'après la Bible. On voit qu'il y a Akitophel donc qui fut un conseiller. Il fut conseiller de David et à ce moment-là toutes les paroles qu'il prononça étaient des paroles qui plurent et qui vinrent de Dieu. அபிஷேகம் பெற்ற தாவீதை அப்சலோமோட போன பொழுது, et quand il a quitté David et qu'il a suivi donc Akitophel, on voit que le conseil d'Akitophel n'a pas été écouté, il a été délaissé, abandonné. Et ce que je veux dire aujourd'hui à chacun de vous qui écoutez, plus que donc l'église de Dieu, au-delà des enfants de Dieu, au-delà donc des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, si vous donnez de l'importance à autre chose, quelle sera votre fin? Dans 2 Samuel 16, il est dit qu'Akitophel s'est fait pendre. Et vous connaissez également quelle a été la finalité d'Absalom. Donc David s'est tourné du côté de Dieu. Dans le dernier livre de la Bible également, on parle de David. Absalom donc s'est regroupé beaucoup d'hommes afin de régner. Et après le livre de Samuel, on ne parle plus d'Absalom. Que ce soit vous ou moi, il faut toujours avoir comme
motivation, comme objectif dans notre vie, de garder Dieu dans notre cœur. L'action est une chose différente de la gloire. Pour se rapprocher de Dieu et pour faire des choses spirituelles d'après la volonté de Dieu, voilà à quoi sert l'onction. Et la gloire nous a été donnée par le Seigneur afin que nous soyons changés en son image. J'aspire, et donc je vous ai parlé beaucoup de l'onction, mais j'aspire également à la gloire qui est importante. Parce que dans le livre de 1 Jean, il est dit que lorsque nous allons rencontrer Jésus, nous allons être transformés en son image. Vous et moi, l'Éternel nous a donc déjà prédéfini un destin, et c'est d'après ce destin qu'il nous guide afin que nous construisons et que nous participons au royaume de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin chacun de l'onction de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le symbole de cette onction, donc, c'est le sang de Jésus-Christ. À quel point est-ce que nous avons besoin de l'onction de Dieu, nous avons également besoin de demander au Seigneur sa gloire. Jean 2:21, comment est la vie d'un homme donc qui est rempli de l'onction? 1 Jean 2:27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாயிருக்கிறது பொய்யல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக சொல்லப்படுகிறது அந்த நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் கூட சகலத்தையும் போதிக்கும் என்றால் Donc si l'onction que vous avez reçue de la part de Dieu vous enseignera toutes choses, dans la vie pratique, ce que vous devez faire, cette onction va vous diriger. Par exemple, je vais à un rendez-vous. Il se peut qu'à ce moment-là, il y a donc des problèmes. Et si l'onction du Saint-Esprit habite en nous, donc je sais qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, comment je dois agir. Par exemple, je viens à l'église. Et si réellement cette onction habite en moi, cette onction m'enseigne sur ce que je dois dire ou ne pas dire, sur ce que je dois faire ou ne pas faire. Et quand une personne a cette onction, elle ne va pas aller à un conflit. Elle ne va pas agir contre quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais agi contre le Père ou contre Jésus-Christ. Et donc si ce Saint-Esprit habite en nous, et bien en toutes circonstances, j'ai en moi cette obéissance. Je serai quelqu'un d'homme. Et je révélerai Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette onction me dirigera dans ce chemin. Et donc, je voudrais dire quelque chose aux adolescents et aux pré-ados. Ésaïe 11:2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். அடுத்த சங்கீதம் 119:99 Psaume 119
versets 99 et 100. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமாயிருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன். உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் முதியோர்களை பார்க்கிலும் ஞானமுள்ளவனாயிருக்கிறேன். வாலிப பிள்ளைகள் கீழேச்சு பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் இந்த வசனத்திலே சொல்லக்கூடியது Ce que je voudrais dire d'après ces deux versets aux adolescents et aux préados நீங்கள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் இந்த பைபிளை நேசியுங்கள். Au-delà de tout, je vous invite à aimer la Bible, la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10:19 உம்முடைய சாட்சிகள் தியானமாயிருக்கிறபடியால் Et donc il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. எனக்கு போதித்தவர்களை காட்டிலும் நான் அறிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன். Et donc je suis plus instruit que tous mes maîtres. அடுத்த 100 சொல்லுது, உம் கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் Et donc j'observe tes ordonnances. Donc j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Parce qu'on entend souvent dire que les vieillards sont les plus sages. Mais la Bible dit autre chose. C'est ceux qui acceptent et qui gardent les préceptes de Dieu seront plus intelligents qu'eux. Et si vous avez besoin de cette intelligence, de cette sagesse, il faut davantage que vous aimez la parole de Dieu. Et vous devez également obéir aux commandements qui y sont inscrits. Et pour cela, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est parce que c'est cet esprit-là qui vous enseignera. அடுத்ததாக ஏசாயா 59:19 வாசிப்போம் ஏசாயா chapitre 59 verset 19 On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. அப்பொழுது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் திசை தொடங்கி கர்த்தரின் நாமத்துக்கும் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அவருடைய மகிமைக்கும் பயப்படுவார்கள். வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார். முடிக்க முன்பதாக Avant de terminer, எங்களுக்குள்ளே இந்த அபிஷேகம் இருக்குமா இருக்கானா S'il est certain que cette onction de Dieu habite en moi, இந்த உலகத்திலே எந்த காரியம் உங்களுக்கு எதிராக வந்தாலும் Même si quelque chose vient contre moi dans ma vie, நாங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை Je n'ai pas besoin de craindre. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடி பிடிப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது Parce qu'il est indiqué que l'Esprit de Dieu sera là et combattra pour moi, donc contre mon ennemi. அங்கே சங்கீத 46 நீங்க வாசித்து பார்க்கலாம் Dans psaume 46, on peut regarder Psaume 46, versets 1 et 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடுச்சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதில் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும் அங்கே பாருங்கள் இந்த 3 வசனத்திலே இயற்கையா நடக்காத 2 காரியத்தை தாவீது சொல்லுகிறார் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து ஜலங்கள்னா ஒரு வெள்ள பிரவாகம் வந்தாலும் அல்ல பெரிய ஆறுகள் கொந்தளித்தாலும் அடுத்ததாக மலைகள் சமுத்திரங்கள் அசையாது இதுதான் அசைந்தாலும் நான் பயப்படும் ஏன் Vous voyez dans le verset 4, on parle donc de choses qui arrivent dans la nature. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. On a du mal à croire à ces interventions. Mais même si cette action arriverait, Dieu est plus puissant que toutes ces actions qui pourraient se délivrer parce que c'est lui qui a créé ces flots et ces montagnes. Même si nous avons des problèmes qui ont une telle ampleur dans notre vie, nous n'avons pas donc besoin de pleurer ou de craindre.
Et vous savez pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, il est suffisant d'avoir l'onction du Saint-Esprit pour vivre. Et en ce jour de Pentecôte que nous commémorons aujourd'hui, où le Saint-Esprit fut versé donc, en plusieurs enfants de Dieu parmi les disciples, nous allons maintenant nous offrir à la parole de Dieu.